Bonjour, bonjour Thérèse. Bonjour, bonjour. Bon. On continue les révisions. On continue à danser un petit peu, à se remettre, se rebooster un petit peu. Bonjour René. Ça va René? Bonjour la Bastide. Dans le 31. Thérèse. Edith, bonjour. Annick, Patrick, Brigitte, Sandra, bonjour. Bonjour Annick, Claudine. Voilà, bon, vous êtes là encore pour. On va encore un petit peu se. Bon, on va encore danser un petit peu, hein. Une heure et quart. Donc, c'est des. Bon, la plupart, il y a des danses, on les a faites cette semaine. Donc. Je refais voir un mur, le tag, le restart, et puis hop, on danse, hein. On est en condition presque, on commence à se remettre un peu en condition balle, hein. On espère, on voit peut-être un petit peu plus le bout du tunnel, mais bon, on va voir, hein. On va attendre, on va pas se réjouir, parce qu'après on se réjouit, on est content, et puis quand bah, on est déçu, ça redescend, et là ça fait du mal. On a un petit peu de soleil aujourd'hui. Il fait frais, mais on a un petit peu de soleil. Bonjour, je suis prête à danser. Bon, Bernadette, elle est prête. Francette, bonjour, Angèle. Bonjour, Nicole. Moi, je suis contente, hein, de vous voir. Mon petit groupe, là. Mon petit groupe de toute la France. Après, j'ai mes danseurs aussi qui vont arriver, là. Bonjour, Marie-Geneviève. Joël. Alain, bonjour. Voilà, hein, on fait ça entre nous en toute simplicité. Hein. Voilà, on est là pour eux avant tout, essayer de se maintenir en condition d'avoir envie de continuer, de reprendre les cours, de retourner en balle. Hein. C'est ce qu'on fait depuis un an. Après, bon, on arrive, heureusement qu'on arrive encore à faire un petit peu notre activité de cette façon-là. C'est pas facile pour tout le monde n'aime pas non plus. En live, ou alors il y en a qui se sont lassés aussi. Hein. C'est vrai que tout seul, c'est difficile. Hein. J'en sais quelque chose. Hein. Donc voilà. Hein. Et donc on fait une petite série comme ça. Donc la semaine prochaine, bon, je remettrai quelques intermédiaires qu'on retravaillera un petit peu. C'est vrai que c'est plutôt les intermédiaires qui font plus. En balle, c'est vrai que bon, une débutante, on regarde un mur, on va arriver toujours à se rattraper. Novice, on va dire haussier. Les inters, c'est un peu plus dur. Donc aussi, on va faire un petit peu plus de travail. L'intermédiaire, on en fera une ou deux dans la semaine, qu'on décortique et qu'on redanse. Hein. J'ai vu hier que Blacktop, ça commence à venir pour beaucoup. Donc vous voyez, au bout de 3-4 fois, on l'avait fait déjà il y a un mois, mais comme il y avait que ma coupure, bon, on a repris un petit peu, quoi. Voilà, donc après là aujourd'hui j'avais envie d'apporter une petite nouveauté, donc toute simple, hein, donc une belle musique de Randy Houser. Donc Randy Houser, c'est le chanteur de Chasing Down a Good Time. Donc c'est vrai que c'est une super voix, et puis toute facile, pas trop rapide, on se prend pas la tête, voilà, petite danse, après elle se fait pas. Bon, l'important c'est continuer de. Ben, sur la bonne musique, d'avoir envie de continuer à danser. Hein. C'est surtout ça, en fait. Hein. Alors, je vais voir si vous êtes arrivés. Bonjour Kiki, Nicole, Madeleine, toujours fidèle au poste. Alors, je ne peux pas suivre ton live. Bonne danse à tous et bon week-end, Kiki. Ben oui, bien sûr, de toute façon, tu sais que c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Les lives sont toujours visibles, même pendant les grandes vacances, sur la plage, dans votre transat. Vous pourrez toujours aller réviser. Hein. Bon, allez, on va commencer tout doucement. Donc là, bah, c'est une petite danse débutante. Hein, j'ai mis donc pour se remettre un petit peu en condition, donc niveau débutant. Donc c'est une musique de Robert Mizel. Hein, c'est un chanteur qui met un peu la joie de vivre. Et puis on aime bien danser sur ces musiques. Donc j'avais fait déjà donc le 21 décembre au Live 91. Hein. Allez.
Donc, ce qu'on va faire à droite, on va faire la même chose à gauche, hein. Donc, on va faire talon droit, hook, talon, flic et chasse avant droit. Voilà. On fait la même chose du côté gauche, talon, hook, talon, flic, chasse avant gauche. Là, nous avons déjà une section. 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Pied droit devant, demi-tour, pied droit devant, quart de tour. Et on va faire un jazz box cross. Donc, on croise derrière, à côté et on recroise au-dessus. Ici, on va faire chasser latéral à droite, rock step, chasser latéral à gauche, rock step. Chasser, rock step, chasser et rock step. On va mettre donc le pied droit devant. On va faire un kick avant gauche. On repose le pied gauche, on met le poids du corps sur la jambe gauche. On fait un touch et on va faire un quart de tour à droite. En faisant un kick, non, je fasse à la vitesse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, quart de tour, pied droit devant, kick et coaster step. Des fois, les enchaînements, c'est des rappels d'autres danses, en fait. Donc, il faut casser un peu le... Donc, la dernière section. Donc, on vient de faire chasser la tire à la gauche et rock step. Donc, 1, 2, 3, 4... 5, 6, kick avant gauche et coaster step arrière gauche. La danse est finie. Hein? On refait du début le mur de 6 heures. C'est une demi-heure. 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Demi-tour, quart de tour et le jazz box. Quart cross, chasse et latéral et rock step. Chasse et latéral et rock step. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tout facile, hein? Ici, donc, dans la danse, il y a juste au 7e mur, il y a juste, vous savez, le jazz box. Donc, ce sera le 7e mur, c'est un mur de 12 heures. On l'entend, la musique, elle change, je vous dirai, hein? Donc, quand on va faire, vous savez, quand on a fait step, demi et step 4. Là, logiquement, il y a un jazz box ici, comme ça. Voilà. On fait toujours le jazz box, mais on va faire un jazz box en demi-tour. Parce que comme il y a un restart, si on fait restart là sur le jazz box car cross, on ne sera plus sur une demi-heure. Donc. Et voilà. Ça, c'est le. On rajoute un quart de tour au jazz box pour faire un demi et on se retrouve face à 6 heures. C'est tout ce qu'il y a dans la danse, hein. Allez. Changing rapidly. 5, 6, 7, 8. Now there's silage in the pen. A
machine to milk the cows, and a John Deere where the Clydesdales used to be. Go step, step. I was a young man when I sowed the fields of barley. With the Clydesdales when I sprayed the spot in May. And a farmer I have lived, and a farmer I will die. And I wouldn't have it any other way. Vous entendez la musique et la chanson? Le chasse-moi sur demi-tour. My sons and their wee boys, having cows and lamb and sheep as day is dawning. Some things change yet stay the same, and they'll carry on the name, and the big old wheel of life just keeps on turning. I was a young man when I sowed the fields of barley, with the Clydesdales when I sprayed the spuds in May. Chassis. And a farmer I have lived. And a farmer I will die, and I wouldn't have it any other way. I was a young man when I sowed the fields of barley, with the Clydesdales when I sprayed the spuds in May. And a farmer I have lived, and a farmer I will die, and I wouldn't have it any other way. No, I wouldn't have it. Bonne petite mise en route hein, pour, voilà, pour faire la coupure, se mettre bien dans l'ambiance, on va dire. The Little Farmer, musique de Robert Mizel. Donc là, on va enchaîner donc, avec l'intermédiaire Blacktop, hein, qu'on a bien vu cette semaine. J'ai vu que ça commençait à venir. Donc, je vais la remontrer une fois, expliquer. Alors, Blacktop, hein. Section 1, pied droit à droite, touch, kickball cross, pied gauche à gauche, touch, kickball cross. Ici, on va faire un monteur étonne, quart de tour à droite, pointe, quart de tour, pointe, rassemble. Pied droit devant, on touch gauche derrière, on repose gauche, kick avant droit, on pose, kick avant gauche, on pose. Kick avant droit et on utilise pour faire un coaster step arrière droit et un brush. On va refaire jusque là avec un petit peu de vide. 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On utilise le brush pour aller faire un rock step avant gauche. Demi-tour à gauche, toe strut avant gauche, rock step avant droit, quart de tour à droite, toe strut. On pose le pied près du corps droit, pied gauche devant, demi-tour, donc step turn, step lock, step avant gauche. On brush, on pose et on refait un demi-tour. On refait, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Step, turn et step, lock, step, brush, pause et demi-tour. Ici, on va attaquer la section avec les rock step talons. Donc, on vient de faire demi-tour. Hein. Rock step avant droit, talon. Demi-tour. Rock step avant droit, talon. On vient près du corps gauche. Et on fait un toe strut arrière droit. Toe strut. Demi-tour à gauche. Toe strut avant gauche. Et à nouveau, on remet pied droit devant. Et demi-tour. Step turn. Step turn. Ça, c'est la dernière section. L'avant-dernière section. Donc, après le step turn, on fait un vine à droite. Il y a une pause ici. Pause et un rock, cross, rock avant gauche. Cross, rock. On vient sur le pied droit. Dernière section. Pied gauche à gauche. On croise droit.
on pointe, on croise gauche, on kick droit, on se tombe droit, on soulève et on tourne le talon vers la droite. Et on revient. 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pause, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, au deuxième mur, nous avons restart. Donc, le deuxième mur, c'est le mur de 6 heures. Donc, nous aurons un restart après le deuxième. Vous savez qu'on fait rock, la série sur le rock step talon. Donc, rock step talon. Alors, on aura fait ça. Donc, rock step, toe strut, demi-tour toe strut. Et là, nous aurons le restart. Donc, on reprendra 1, 2, 3 et 4. Et un peu plus loin, au cinquième mur, nous avons une rajoute de monterey. C'est-à-dire que ce sera aussi un mur de 6 heures. Donc on aura fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, nous avons le monterey de la danse. Et nous ajoutons un tag, un autre monterey quart de tour à droite. Et là, on recommencera la danse au début. C'est tout ce qu'il y a dans la danse au niveau de le restart déjà au deuxième mur et la rajoute d'un monterey quart de tour à droite au sixième mur. Après déjà le monterey de la danse. Hein. Ça va aller? Oui. Est-ce que ça va? Je pense que là on est un petit peu en condition révision. Donc oui. Ça a l'air d'aller. Allez hop. Ils me disent que ça va. Ben, ça va aller. Hop, black top. Allez. And before the lightning strikes, but never touches the ground.
Ça commence à venir un petit peu, déjà hier j'ai vu que beaucoup d'entre vous l'avaient cette danse, donc c'est vrai qu'on l'a bien travaillé cette semaine, donc la semaine prochaine nous retravaillerons donc une ou deux danses, on va dire intermédiaires, hein. C'est une intermédiaire, et puis on les retravaillera en fond et en fin de semaine comme ça, hop, on la redanse comme ça, je fais voir un mur, j'explique les tags et hop, c'est parti, hein, comme mon bal. Alors, ça va? Vous êtes bien? C'est bon? Voilà, hein, c'est bien. Impec, hein. De toute façon, c'est une danse qu'on verra entre deux. Hein. Comme ça, bon, ben, si... C'est vrai que on a déjà fait tellement de révisions de toutes les danses de 2019, on va dire, et 20, et 2020, début 2020, vu que on a fait un trimestre, on a fait deux mois de cours en 2020, et puis on est arrêté. Que là, bon, bah, c'est vrai qu'on a envie de... Les quelques nouveautés, j'ai quelques nouveautés que j'ai fait dans les lives et que je vais réapprofondir avec vous pour qu'on ait vraiment le plaisir de les redanser. Alors, Country Boy Loving. Bon, ça, c'est une petite danse. C'est au live 70 du 18 novembre 2020. Donc, elle est considérée absolute beginner. Donc, ça veut dire absolue débutant. Donc, il y a No Tag No Restart. Hein. Comme ça, entre deux, une petite danse, ça permet de, voilà, de souffler un peu. Donc là, on va faire la section 1 et la section 2. C'est exactement la même chose, déjà. Donc on va faire put, put, in, in. Alors, on fait ouvrir les talons, écarter les pointes, rentrer les pointes et ramener. Ou alors, si c'est difficile donc de faire 1, 2, 3, 4, vous faites 1, 2, 3, 4. Vous verrez, je vous ai mis une vidéo dans mon blog. Et les deux animatrices, elles le font. L'une fait ça, et l'autre elle fait donc les splits. Hein. Donc vous faites deux fois. La section 1 est faite deux fois. Donc 7, 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là j'ai changé, hein, pour ceux qui c'est trop difficile. On va faire un vine à droite. Scuff et cross, rock. On vient près du corps droit. On fait les trois sections, déjà trois sections. Hein. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Dernière section. Vine à gauche, quart de tour. Touch. On fait talon droit, on ramène, et on fait talon gauche, on ramène. Donc c'est au choix, hein. Soit vous faites les buttermilk ou les heel split. 6. On refait la danse dans son entier. 7, 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'oublie pas le touch, c'est un compte pour le touch. Et donc, pour finir face à 12 heures, on fait quart de tour à gauche sur l'appui du pas avant droit du V-step. Donc, ce sont des V-step. Hein, donc, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est comme si on faisait la pointe en haut droite du V, la pointe gauche en haut du V. Et on va tout assembler derrière. Hein. Bon, serrez pas. Bon, si vous faites ça, ça va. Donc, voilà.
Donc, Country Boy Loving. Allez, petite débutante, un peu rock, voilà. Comme ça, il y a un petit peu pour tout le monde. Hop, allez. There's more trucks than cars. More churches round here than bars. I'll show you around, my God on the map. You ain't ever gonna wanna go back to them city lights and that life where you can't see the Big Dipper at night. Yeah, I might just have what you just don't know you like. I got that country boy loving, gonna get you in the summer. Little kiss, a little hugging that you can't find in any big city. Oh, when you're with me, I lay it down like Conway Twitty. Give your loving for the good stuff. I know, man, I got that country boy loving, gonna love you like a country boy. Talking 9 to 5, after 9. These hands don't mind a little overtime. We're rolling the hay down on the farm. You'll be in every song coming out of this guitar. Money can't get, girl, what I'm gonna give to you. I got that country boy loving, gonna get you in the summer. Little kiss, a little hugging that you can't find in any big city. Oh, when you're with me, I'll lay it down like Conway Twitty. If you're looking for the good stuff, I'm your man. I got that country boy loving, looking like a country boy. Dans sa pop, donc un peu du débutant, pour apprendre bien les V-steps, les splits ou les buttermilk ou les crossrock aussi. Hein. Bon, voilà, intéressante. Intéressante. Alors, en révision, donc Little Less Broken, pareil, hein, on l'a bien travaillé déjà, retravaillé plusieurs fois. Donc, on va la. Alors, je l'explique, je refais voir un mur. Il y a un seul restart dans cette bande. Hein. Il y a un seul restart. Donc, c'est vrai qu'elle est. C'est intéressant. Alors, on y va. Little Less Broken. Donc, on va faire un rock step. Un rocking chair un peu modifié. Donc, le rock step avant, c'est, il est fait en sway. Donc, 1, 2, 3, 4. Marche, marche, quart de tour gauche. Chasser latéral droit. Section 2. Rock step arrière gauche. Rock step, on revient et on met le pied gauche. Rock step arrière droit. Donc on est toujours face à 9h. Hein. Rock step arrière droit. On l'allonge un peu. Hein, on écoute la musique. Et ici, donc comme on est toujours à 9h, on va faire un quart de tour à gauche. On va aller mettre le pied droit derrière. On rassemble et on croise. Je suis en train de regarder. Donc, on va finir encore. On va encore faire une section. Donc, le pied gauche à gauche, on rassemble. On fait un chassé avant gauche. Pied droit devant, quart de tour. On croise et on sweep. On sweep. Alors déjà, on veut faire jusque-là. 7, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, 4. Marche, marche, quart de tour, chassé. Rock. Step, on revient, rock, step, on rassemble et on croise, à gauche, rassemble, chasser avant gauche,
step, car on croise les sweeps. Donc le sweep, on enchaîne un cross, shuffle. On va dérouler à gauche. Quart de tour, pied droit derrière. Demi-tour, pied gauche devant. On refait un pied droit devant, quart de tour, on croise et on met à côté. Je regarde si c'est la fin d'une section. On croise et on met à côté. On va mettre le pied gauche derrière. On refait un quart de tour à gauche avec le pied gauche devant. Et on va faire un chassé avant droit. Chassé avant droit. Ici, il faut que nous fassions un demi-tour à gauche en marche-marche. Donc on marche gauche et droit. En arc de cercle. Marche. Marche et step, lock, step, avant gauche, step, lock, step. Ici, dernière section, rock, step, avant droit, demi-tour, chassé, avant droit, rock, step, avant gauche, demi-tour, chassé, avant gauche. On refait le mur de 6 heures, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, et 8. Alors, le restart est au mur numéro 5. On aura fait donc le à gauche rassemble et chasse avant gauche. Mais on l'entend très très bien. On est pratiquement, on s'arrête et on redémarre. Et là, on redémarre, on fait le restart. Vous voyez le final, quand on finit. C'est un mur de 12 heures. Oui, on aura fait donc à la fin, je ne sais plus, c'est le rock step. Non, on fait le rock step, demi-tour. Bon, je vous dirai, je ne me rappelle plus. Avec les fins, c'est des fois, ça, on s'embrouille un petit peu. Je vais voir si ça va ou si vous voulez un mur. Si c'est OK. Très joli. C'est OK, c'est bon. Bon, bah, allez, ils sont contents, c'est OK, donc on y va. Hein. Alors, on sait quelle la musique. Allez. Shuffle. Missing you. You didn't see me when you walked past me. I wasn't ready to see this happen. Looks like I'm moving just a little less on with this. Looks like your world has got a little less wrong with it. Looks like it took you just a little less time. Looks like your heart's just a little. Walter Black, 'cause I ain't letting you know that I hurt this bad.
la musique, hein. Écoutez. Resta. Et voilà, et on arrête, hein, sur le rock step, demi-tour, voilà. Et la danse est finie. Donc, c'est vrai que ça, elle est intéressante, hein. Est-ce que ça va? Ça va, oui, c'est impec. Donc la semaine prochaine, donc, je les remettrai pas tous les jours, et on travaillera autre chose, elles reviendront, hein. Donc, la danse suivante, donc... Pretty Girl. Bon, pareil, hein, on l'a bien travaillé aussi cette semaine. Je pense que... Voilà, hein. Celle-ci, Edith, elle n'arrive pas à la voir, Little Death Walken. Oh, ben, on viendra, j'y reviendrai en décompo, hein, entre deux. Ah, c'est... Et en plus, c'est vrai, tout seul, les repérages, c'est surtout aussi, donc, quand on fait les rock steps, vous avez vu, on les allonge un peu. Et là, c'est pareil, si on fait le rock step, on détend un peu, en fait, c'est pour suivre la musique, et ça peut être perturbant, hein, j'y reviendrai. Donc là, on va voir, ah non, c'est Pretty Girl. Pretty Girl. Donc, c'est une chorégraphie, voilà, c'est Irish, hein, donc c'est les tumbling paddies. Pretty Girl, donc c'est une 32 comptes, 4 murs, 3 restarts, donc c'est Carrie O'Reilly et Maggie Gallagher. Donc c'est une chorégraphie de mars 2020. Donc on l'avait faite le 14 décembre 87. Live 87. Non. Live 87, 14 décembre 2020. On y va. Pretty Girl. On va faire un rock step avant droit. Rock step, on revient, on fait talon. Touch, talon, quand on ramène le pied gauche, le talon gauche, on pose le pied droit devant. C'est pas un rock step, c'est un marche. Et on fait un rock step avant gauche. 7, 8, 1, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, 7, et 8. On va faire deux demi-tours gauche shuffle, demi-tour shuffle. Demi-tour shuffle, coaster step arrière gauche, marche, marche. On refait. 7, 8, 1, 2, et 3, et 4, et 5, et 6, 7, 8, 1, et 2, 3, et 4, 5, et 6, 7, 8. Coaster step avant droit. Donc, on met le pied droit devant, on rassemble et on recule le pied droit. Donc, quand on écoute la musique, on a envie de le faire vivre un peu, le coaster step. Donc, on fait un petit saut. Coaster step. Hein? Donc, on est revenu en poids du corps droit. Rock step arrière gauche. Pied gauche devant. Quart de tour. Et cross shuffle. Allez, avec un petit peu de vitesse. 7, 8, 1, 2. Et 3, et 4, et 5, 7, 8, 1, et 2, 3, et 4, 5, et 6, 7, 8, 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Dernière section, pointe droite, pause, on ramène. Pointe gauche, pause, on ramène et on va faire step, turn, step, turn. La danse est finie. On va refaire le mur de 3 heures. Alors, sachez que dans la danse, nous avons par 3 fois restart après pointe,
droite ramène, point gauche ramène. On ne, par trois fois, on ne fait pas les steps up. Et il y aura un restart. Le mur numéro 2 que nous allons faire maintenant ne comporte pas, donc à le restart déjà numéro 1, à, sans, on, donc on ne fait pas les step turn, step turn. 7, 8, 1, 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, et 4, coaster, step, marche, marche, et le coaster, step, step, turn, shuffle, point, et point. Et là, restart, et 1, 2, et 3, et 4, etc. Donc, mais on les entend bien. Nous avons donc au mur numéro 4, qui est le mur de 9 heures, nous avons le restart de la danse. Le restart, il est après le marche-marche. On va faire ensemble. 7, 1, 2, et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, et 4, 5, et 6, 7, 8. Restart. Donc, rock, step, talon. En fait, donc là, nous avons fait le restart, c'est tout. Le restart, il n'y en aura plus. Après, ce sont des, on va veux dire, ce sont les, des restarts après les points, points. Donc, le mur de 12 heures qui suivra aura le restart après les points, points. Et quand on fera le tour comme ça, le 9 heures, beaucoup plus loin, le 9e mur aura aussi restart après les points, points. À un moment donné, dans la musique, c'est le mur de 6 heures, on est ici. C'est un mur de 6 heures et on a envie et on entend comme un restart. Non, non, non. Il n'y a pas de, il y a pas de restart. Hein? Allez. Pretty girl. It's a good job, I'm a strong man. For I'm sure beaten by your soft hand. I drink the poison from your sweet lips as I beg for mercy at your fingertips. Cause there's somewhere that I wanna take you. Take you, take you. Oh, pretty girl. Just taking some time out. It's in a ride to somewhere way down south. We'll find ourselves under the sun, barefoot in the sand, and I'll watch you run. Cause there's somewhere that I wanna take you, take you, take you. Oh, pretty girl. Pretty girl. Pretty girl.
Montréal, il m'est revenu. Donc, on a fait donc rock, step, talon, rock, step, demi-tour, demi-tour, coaster, step, et on fait demi-tour, demi-tour gauche pour être face à 12 heures. Voilà. C'est vrai qu'à force, on laissait. Et on entend bien hein, les restarts. Il y a un moment où je l'avais dit, hein, donc le mur de 6 heures, on entend, on croirait que c'est un restart. Non, on continue. Allez, on va faire la petite danse débutante, toute facile. L'avant-dernière. Je vais boire un coup. Là, ça fait. On retrouve un peu. Ça fait un peu comme le rythme des balles en fait, hein, une danse, on va dire que le comme le temps qu'on prend pour, entre deux, pour, comme j'explique, je prends moins de temps, donc on est plus en condition balle, on retrouve un peu plus le punch et l'enchaînement en fait. Hein. Donc je vous profite, donc on se retrouvera lundi, donc vous savez que le mardi pour l'instant, je ne fais pas de live, je me consacre, j'ai des choses à faire et voilà, je fais une coupure. J'essaye de garder vraiment l'envie et puis de continuer et puis de préparer aussi des choses. Hein. Alors, Country Road 44. Donc, c'est une chorégraphie 32 temps, 2 murs, niveau débutant. Hein. Donc, c'est une chorégraphe de John Dan Biek. Donc, la musique We Went de Randy Hooser. Franchement, honnêtement, j'ai pianoté comme ça, j'ai cherché, j'ai regardé des vidéos, je suis tombée vraiment par hasard, je n'ai pas cherché s'il y avait d'autres danses ou d'autres chorégraphies. J'ai écouté la musique, j'ai vu les pas, j'ai dit bon ça c'est une danse en nouveauté qu'on pourra apporter à nos débutants à la rentrée. J'ai pas cherché à voir s'il y avait déjà 10, 15 chorégraphies, voilà. Je me suis dit, moi j'ai tout de suite tilté sur la musique, Randy Hauser, donc c'est le chanteur de Chasing Down Good Time. Et donc voilà, j'ai pas fait compliqué, j'ai dit voilà, c'est une petite danse débutante. Il y a juste à un moment donné au troisième mur, donc c'est une deux murs, au troisième mur, au bout on rajoutera un rocking chair. Et la danse est vraiment faisable, elle est intéressante, parce que nos petits débutants qu'on va avoir à la rentrée, hein, on l'espère vraiment de tout cœur qu'on va en avoir et qu'ils ne se seront pas découragés, et ben on va leur mettre des belles danses dans la tête pour qu'ils aient envie aussi d'accrocher. Hein. Donc, les deux premières sections sont très faciles. Hein. Donc, 7, 8. Donc, marche, marche, chasse et avant droit, rock, step, demi-tour, chasse et avant gauche. Vous voyez, déjà, et comme c'est pas trop rapide, ça peut apprendre déjà des pas très intéressants aussi pour les débutants. On refait donc la même chose, sauf que quand on fera le rock step, on fera un quart de tour. Donc, marche, marche, chasse et avant droit. Rock step par mon gauche, écart de tour, shuffle, latéral gauche. Vous voyez, il y a déjà des bonnes choses à apprendre. 7, 8, marche, marche, chasse avant droit, rock, step, demi-tour, shuffle, marche, marche, chasse avant droit, rock, step, quart de tour, chasse latéral gauche. Ici c'est pareil, des pas intéressants, on croise, on met à côté, on va faire un sailor step. Alors, en premier, donc, c'est un sailor step. Derrière, à côté, et on remet à côté. Poids du corps, droit. De l'autre côté, on croise, on met à côté, et cette fois, on va faire un behind side cross. Derrière, à côté, et croise. Donc, sailor step, behind side cross. Déjà, d'apprendre le sailor step, sans quart de tour pour les débutants. 7, 8. Marche, marche, chasse avant droit, rock, step, demi-tour, chassé, marche, marche, chasse avant droit, rock, step, quart de tour, chassé, on croise, on met à côté, sailor, step, on croise, on met à côté, behind side cross. Ici, on va faire un monte return, quart de tour à droite, le compte 4 sera un hitch gauche, donc 1, 2, 3, 4. On l'utilise pour croiser. On va faire les deux premiers pas d'un jazz box hein, pour imager. On met le pied droit derrière, poids du corps droit, et on fait un coaster step arrière gauche. Donc, coaster et step.
On va reprendre donc la section ici, puis on fera du début. Hein. Bon, on est arrivé en chassé latéral gauche. On croise, on met à côté sailor step. On croise, on met à côté behind side cross. Monteur écart avec each à la fin. On croise, on met derrière et coaster step. Fini. On fait un fermement de 6 heures. 7, 8. Marche, marche. Chassé à mon droit. Rock, step, demi-tour, chassé. Marche, marche. Chassé avant droit, rock step avant gauche, quart de tour chassé. On croise, on met à côté, sailor step. On croise, on met à côté, behind side cross. Monteur écart, hitch, on croise, on met derrière et coaster step. Rien de compliqué, intéressante. 7, encore une fois, 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc au troisième mur, ici, donc on va faire, c'est une deux murs, donc 12 heures, premier mur, 6 heures, deuxième mur, 12 heures, troisième mur, au bout, nous rajouterons un rocking chair du côté droit. C'est la seule chose à rajouter ou à faire dans la danse. Un rocking chair du côté droit au bout de la danse au troisième mur. Allez, on y va. Toute facile, c'est pas très rapide. Et puis après, on fera dans le tether bigon. Donc, allez. Cash, foot on the gas, ready and throwing up a little dust like a pickup truck does in the mud, but ain't nobody slowing us down right now. She said, I need a little something with some get up and go, and nobody knows how to get me going quite like you do when you're doing the things that you do. Wanna give this sleepy folk around town something to talk. Let the heat cool off. We could do it some dancing. Didn't take long. Just a couple of songs. You know it's last call when the law comes walking in. So we would tell. Like a pickup truck does in the mud, but ain't nobody slowing us down right now. Oh non.
J'ai pas loupé le tas, mais j'ai fait le hitch, cross, et en fait, j'étais en train de dire, faut que je dise, j'étais en train de penser, faut que je dise, on rajoute le rocking chair, et du coup, j'ai pas fait le coaster step, et du coup, j'ai fait le rocking chair quand même. Enfin, vous verrez dans la vidéo. Voilà. Donc, vous avez eu une danse, voilà. Pas trop rapide, il en faut aussi. Au début, pour apprendre certaines suites de pas, hein, c'est pas évident. Des fois, c'est comme les blindside cross ou les sailor, ça c'est souvent des. Allez, la dernière. La dernière danse. Donc, j'espère qu'on ne sera pas coupé. Donc, let her begin. Hein. Donc, marche. Marche, chasse avant droit, rock, step, coaster, step. Pied droit devant, quart de tour, cross shuffle, donc quart, quart et cross shuffle. Hein? 7, 8. Marche, marche, chasse avant droit, rock, step, coaster, step, step, quart, cross shuffle, quart, quart, cross shuffle. Rock step latéral droit, behind side cross, donc un petit, et le carré à droite, le carré à droite, à gauche qui monte, on le fait un petit peu syncopé, on va dire. Donc on va faire un coaster step arrière gauche, toe strut avant droit, on va faire un demi-tour à droite, en toe strut arrière gauche, donc demi-tour à droite, toe strut et un rock back, donc rock back. 7, 8. Marche, marche, chasse avant, rock, step, coaster, step, step, car, cross shuffle, car, cross shuffle. Appartenir. Ouais, c'est coupé. Alors, ça coupe aussi. Allez, on met la musique, on l'a fait, hein. Ouais. Donc, il y a un restart, donc vous me voyez encore? Donc, je vais mettre la musique et puis on y va parce que je sens que ça va être coupé. Hein? Allez. Some things, she said some things that we can't take back. She jumped into her car, probably down at some uptown bar. I didn't think she'd take it this far. Now I'm sitting here waiting all alone in the dark. Let her roam. C'est difficile, hein. C'est Gordon Bamford, c'est très très difficile. Ouais. Bon, vous avez un petit bout.
La dernière danse à revoir. Je la ferai, oui, oui. Alors, je voudrais... Vous m'entendez encore? Ouais, coupure, puis repris, oui, oui. Donc, j'ai mis... C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Je sais que les musiques de ce chanteur, tout comme Luke Bryan, c'est des musiques à la première, quasiment au bout des 10 secondes, elles sont coupées. J'ai risqué, c'est pas facile, hein. Tout ce qui est danse de God Bamford. Très difficile. Pour ça, à un moment donné, j'avais fait une danse aussi Baby Redneck. Et elle était vite coupée. Hein. Bon, on a fait un petit morceau. J'y reviendrai, on la fera en dernier la semaine prochaine aussi. Et je la décomposerai puis on la dansera. Hein. Je sais, de toute façon, je m'en doutais. J'ai risqué. On a fait un petit bout, mais on la reverra. Ne vous inquiétez pas, je sais que... Ça, je m'en doutais. C'est Kurt Bamford, Luke Bryan, c'est quasiment... on peut pas faire... Alors, donc... Bon, sinon vous regarderez, pour la semaine prochaine, vous regarderez, je vais vous faire un tuto, comme ça je vais bien vous la décomposer pour que vous puissiez l'apprendre, comme si j'étais avec vous, et comme ça la semaine prochaine, ben, on la mettra et on la dansera, hein. Donc je vais vous faire je vais vous dire donc une bonne fin d'après-midi, et je vais vous dire, donc je fais un tuto, je ne mets pas la musique. Je vais essayer de vous faire un tuto bien détaillé, bien précis, pour que vous puissiez bien acquérir les pas. Et la semaine prochaine, on la retravaille. Hein. Et voilà. Donc, bon, on a réussi quand même à danser une heure. Vous voyez, une heure, au bout d'une heure, ça coupe. Hein. C'est quasiment pour ça. C'est vrai que je fais moins de danse. Vous avez remarqué, bon, aujourd'hui, c'était, on va dire, entre guillemets, comme un mini-bal. Donc, j'ai dit, je vais pousser jusqu'à 7. Mais quasiment qu'il faudrait... Quasiment, faudrait se dire, voilà, on fait 5 danses, on coupe et on revient. Ça devient, voilà. On a déjà réussi à faire, bon, 6,5, on va dire. Hein? Bon. Passez un bon week-end, une bonne fin d'après-midi, un bon week-end. Merci de votre compagnie. Hein? Voilà, c'est vrai qu'on se soutient moralement. Ça, c'est vrai que ça revient quand même. Les émotions, l'envie de redanser, ça revient. Hein? Puis je vois, c'est positif pour vous, donc... Voilà, on s'encourage, hein, même si on n'est pas présent ensemble, c'est quand même un bonheur à partager. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à lundi. Lundi, bon, moi je vous prépare un petit truc et je vais vous faire un tuto pour la Terbigone, un tuto bien détaillé. Hein. Quand vous voulez un tuto d'une danse, vous mettez un petit message donc en privé, si vous voulez une danse que vous aimez bien. Il y a un petit truc, vous n'avez pas. C'est vrai que des fois, en live, c'est pas évident. Vous me le dites, vous mettez un message en Messenger et je vous prépare un petit truc. Hein. Voilà, les amis. En tout cas, merci pour cette semaine de redémarrage qui m'a beaucoup aidée. Je lutte, hein, je me bats parce que sinon, si je me mets en fauteuil, voilà, c'est cuit. Je me bats, le matin, ça y est, j'ai commencé à reprendre ma routine de préparation. Et franchement, ça m'aide énormément en attendant donc des nouvelles encore plus positives. Hein. Bon week-end et à lundi. Bisous. Oui, oui, Joël. Thérèse, je vois. Une heure, c'est bien. Hein. Ouais, c'est vrai. On fait notre petite heure et puis... comme ça, on a encore plein de temps pour faire d'autres choses. Ouais, c'est vrai. On a fait quand même 3 km, l'air de rien. Bon. Allez, bisous.